Coucou à vous, bienvenue à tous pour le tirage du 15 au 30 juillet 2024. On regarde pour les signes d'air aujourd'hui, pour les balances, Verseau et Gémeaux. J'espère que tout le monde va bien. On va regarder l'énergie donc pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet avec l'oracle ici des chamans Atlantes. Puis ensuite, on va regarder avec mon oracle 33 ce que nous disent les messages de ces cartes pour cette deuxième partie du mois de juillet. Donc Balance, Verseau, Gémeaux, signe d'air, c'est pour vous. N'hésitez pas à regarder les ascendants dans les autres vidéos si vous le désirez. Par exemple, si vous êtes ascendant d'un signe de terre ou d'un signe d'eau ou de feu. Voilà, alors je vais regarder tout de suite pour vous. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo et je prendrai un conseil de l'oracle des fées pour cette fin juillet, cette deuxième partie du mois. Si vous êtes en vacances, passez de bonnes vacances. Alors, énergie du 15, ça s'est déjà retourné dans ma main. Bon, vous avez la protection. On me dit qu'il y a un enseignement spirituel, vous avez une protection de l'univers. C'est comme si vous avez tiré ici la carte de l'étoile du tarot. On me dit que l'univers croit en vous. On a confiance en vous. On vous dit d'avoir confiance, les signes d'air. Que l'univers, en tout cas, être avec vous et que vous êtes protégé, que rien de négatif va se passer. Bon, il y a une belle protection, c'est déjà important par rapport à ce que vous vivez. S'il y a des difficultés ou des choses à traverser, c'est toujours bénéfique d'avoir une aide de l'univers. Alors, l'oracle 33 aussi, si vous intéresse. Donc ça, c'est le dos de deck. Ce sont certaines cartes que vous pourrez voir dans le tirage ou même celles du signe de terre ou les signes que j'ai fait, je ne sais plus, les signes d'eau. C'est un oracle que j'ai créé moi-même. Donc l'oracle qui a 33 cartes. Si vous intéresse, je vous mettrai dans les commentaires comment le trouver. Ok? Alors, comment le commander? Je vous mettrai mon adresse mail ou en même MP. Il est à 15 euros frais de 25 euros, pardon, frais de port inclus. Alors on y va. Qu'est-ce qui se passe pour les signes d'air? Balance, Verseau, Gémeaux. Pour le 15 au 30 juillet. Je vais regarder la coupe. Alors, vous voyez, il y a encore la carte du soutien. Donc, vous allez vraiment être aidé, peut-être demander de l'aide. Il y a vraiment une aide, hein. Là, tout se passe bien. Ici, on vous aide. Il y a une solution. On voit qu'il y a peut-être autour de vous des amis. Vous voyez là le chat qui soutient l'autre, des personnes qui vont vous aider cette semaine. Ça nous parle du travail. Dans votre activité, dans votre job, dans une situation où vous avez du labeur, vous allez être soutenu, où on vous dit de demander de l'aide. Alors, on va tirer 5 cartes. Cinder, Balance, Gémeaux, Verseau. Celles ne sont pas tombées, on va les prendre. 15 au 30 juillet. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, on y va. Encore une fois, c'est hallucinant. Bon, bah vraiment, vous savez que vous allez être soutenu. Il y a, alors, je ne sais pas si c'est des amis. Il y a quelqu'un, ou des amis, ou une personne en particulier qui va vous soutenir. Ça peut être aussi, par exemple, un avocat, une association, dans un domaine particulier, s'il y a un souci par rapport à quelque chose de juridique, d'administratif ou autre, on va voir. C'est ce que je ressens. On a vu tout à l'heure le travail. Il y a peut-être une situation d'apprentissage aussi que vous avez de la peine à comprendre. Vous allez être soutenu. Donc, par exemple, par un collègue, je vous ai dit, par des amis, ça peut être votre partenaire de cœur. N'hésitez pas à me mettre en commentaire où vous trouvez ce soutien. Il y a 3 fois la carte du soutien jusqu'à présent. C'est assez fou. Regardez, en même temps, on me dit, je crois en toi. Donc, si vous doutez de vous par rapport à quelque chose, on dit non, non, ne doute pas, tu as la chance de ton côté. L'univers croit en toi, tu es protégé par l'univers et en même temps tu auras de l'aide terrestre. Donc là, si vous regardez ce tirage, les signes d'air, sachez qu'il y a de l'aide pour vous. Il y a des personnes qui vont vous soutenir comme des anges terrestres. C'est ce que je ressens. Alors, et puis vous allez avoir la réussite. C'est la dernière carte qui est tombée. Donc, on voit que il y a peut-être une notion de partenariat. Là, il y a quelqu'un qui pourrait vous aider ou vous allez former un partenariat plutôt que de faire équipe seule ou de faire un travail tout seul.
C'est ce que je ressentais. C'est tout à l'heure, c'est le collègue, l'ami. Surtout, je pense, par rapport à un projet professionnel, par rapport à un apprentissage professionnel, par rapport à votre job en particulier ou quelque chose de nouveau. Il y a un collègue, une personne qui arrive et vous avez la chance qui vous accompagne, la protection de l'univers, et vous allez avoir une réussite par rapport à ce projet. Donc, pas de doute à avoir. C'est vraiment ce qui compte pour vous. En même temps, regardez, on nous parle que ce que vous allez faire va rapporter de l'argent. Je crois que ce n'est pas la première fois que j'ai dit pour les signes d'air qu'il y a une certaine réussite professionnelle. Je crois que je l'avais même vu peut-être. Je ne sais pas si c'était dans les tirages sentimentaux. N'hésitez pas à aller voir vos signes pour le mois de juillet en amour. Je vais peut-être commencer pour le mois d'août, on verra. Pour le moment, je termine ici la deuxième quinzaine de juillet. Il y a une rentrée d'argent, il y a une réussite. On me dit il y a de l'abondance qui arrive par rapport à cette aide professionnelle qui vient à vous. Et un challenge peut-être que vous n'aurez pas pu atteindre tout seul, mais à deux, effectivement, oui, vous arrivez. Au haut du podium, il y a une réussite. Très, très bien. Et donc, ça parle professionnel, financier, contrat. Donc, je dirais aussi qu'ici, grâce à l'aide d'une personne extérieure, pour vous aider soit à faire un contrat, oui, à faire un CV ou quelque chose comme ça, vous allez avoir un nouveau travail avec une amélioration financière pour certains. Hein, ça parle vraiment de ça. On a comme le travail, l'argent et le contrat. On a ici pour vous quelque chose de très important, intéressant. Si c'est un contrat de travail, un contrat pour un mandat, un contrat pour voilà, un apprentissage nouveau, sachez que ça va vous porter bonheur, ça va vous apporter de l'abondance et ça va aussi vous amener ici par rapport à votre domaine ou votre situation, quelque chose d'écrit ou un partenariat officiel ou quelque chose qui sera signé. Hein, vous me direz. Alors, le message des fées, le conseil ou le message qu'elles ont pour vous. Donc, Cinder, les balances verso Gémeaux, balance verso Gémeaux pour la période du 15 au 30 juillet. 15 au 30 juillet, quel est le message que les fées ont pour vous? Alors, vous pouvez me retrouver sur les lives TikTok aussi que je vais faire normalement demain. Alors, union, à nouveau, partenariat, vous voyez? Donc, il y a quelque chose d'important à ce niveau-là qui va se passer, des partenariats importants. Peut-être même avec votre partenaire de vie, hein, qui sait? Ici, on nous dit que les fées se joignent à vous pour vous soutenir ou pour vous aider aussi. Ça peut être pour certains un mariage, hein, pourquoi pas? Regardez comme c'est beau. Magnifique. Voilà, je vous souhaite une bonne quinzaine. Fin du mois de juillet à tous. Merci pour vos retours en commentaire. Et si vous désirez mon oracle 33, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt sur les lives. Bye bye.